Donnarumma nous fait comprendre qu'il aime le PSG, que son futur c'est au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Donnarumma, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti, les gars. Alors, Donnarumma nous fait comprendre qu'il aime le PSG, que son futur c'est au PSG, etc. Moi, je veux dire une chose, les gars. Je ne pense pas vraiment que Donnarumma aime le PSG. Moi, je pense que à Paris, il y a le confort. Il y a le confort. Et je pense que beaucoup de joueurs suivent ce confort. Si tu enlèves ce confort, beaucoup de personnes vont quitter le PSG, les gars. Beaucoup de joueurs vont quitter le PSG. Parce que Paris paye bien. C'est le club de la capitale. C'est une ville attractive. Donc, ça attire les joueurs. Ça attire les joueurs. Moi, je pense pas vraiment qu'au fond du tout, au fond de son cœur, il aime vraiment le PSG, les gars. Après, c'est mon avis. Hein. Et en plus, il n'est pas trop performant. Moi, j'aurais souhaité que le PSG se penche plutôt sur Mike Maignan, les gars. Mike Maignan, pour moi, je le mets top 2, top 3 des meilleurs gardiens du monde avec Courtois, les gars. Mike Maignan est monstrueux. Maignan est monstrueux, les gars. Donc, pourquoi ne pas se pencher peut-être sur Mike Maignan, les gars? Parce que Donnarumma, c'est un bon gardien, mais pour moi, ce n'est pas un grand gardien, les gars. Ce n'est pas un grand gardien. Donc, franchement, moi, je ne crois pas trop à les propos de Donnarumma. Là où il dit son futur, c'est au PSG, il aime le PSG. Je ne crois pas trop à ses propos. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.